Bonsoir, bonsoir à tous, les premiers, salut Irène, de retour cette semaine, pour moi, mon premier live, et hier vous avez eu Laurent, j'espère que tout le monde va bien, salut Claire, j'espère que tu vas bien Claire, Jean-Marc, super, bienvenue à tous et à toutes, allez on vous a programmé une bonne séance aujourd'hui, on fait bouger tout le corps. De quoi a-t-on besoin ce soir? Alors, je l'ai dit, le tapis. Replay cette semaine, c'est pas grave. Allez-y, préparez-vous là pendant les 5 minutes avant de démarrer la séance. Il nous faut un tapis, il nous faut des bouteilles, plusieurs bouteilles, et il nous faut un sac à dos, idéalement. Laissez-y tout ce qu'il y a dedans, hein, il n'y a pas de souci. On va juste tout à l'heure y glisser quelques bouteilles, le mettre sur le dos pour faire travailler un petit peu le squat, le back squat. Yeah, bien, super. T'en as besoin, c'est top. Prête Nathalie, super. Donc bouteille, sac à dos et tapis. Allez, on se prépare, bienvenue au premier. On démarre dans 3 minutes. 3 minutes. Toujours un échauffement, toujours un corps de séance. Et à la fin, on reste et on fait ensemble les étirements. Alors aujourd'hui, on va avoir un petit peu de cardio aussi sur la récupération. Salut Fanny. Coucou Méline. Pas de direct, j'ai repris le travail. Je tente la séance en replay. Ça, c'est une bonne idée. Deux bouteilles, trois bouteilles, comme tu veux, ce que tu as sur la main. Le tout, ça va être de charger un petit peu le sac un peu plus lourd qu'une bouteille. Enfin, d'accord. On va mettre deux, si ça rentre, trois bouteilles. Chacun son format, il n'y a pas de souci. Salut Vivi, prête, c'est super. Salut Jane. Merci à toi, Jane. On démarre dans 2 minutes. Préparez-vous. On fait bouger tout le corps. On va remettre un peu la musique au départ. Est-ce que tout va bien? Ryan, prêt aussi. Karine, c'est ok. Une dernière petite minute et on démarre. Salut Florence, bienvenue. Allez, on va démarrer les derniers. Ah, clochette. En replay ce soir. Dommage. Salut Déborah. Mais c'est pas grave, le replay ça compte aussi. Salut Fanny, le tout c'est de bouger. Dorothée, super, Noémie, bah voilà, tout le monde est là. Valérie, vous êtes au taquet, bah c'est super. Allez, on va démarrer tout doucement, on mobilise, c'est parti. On se dirige sur le tapis pour l'échauffement, petite mobilisation. Oh. On va se mettre en position chevalier servant. Et voilà, vous voyez, je fais ça aussi pour vous ce soir. Donc un genou au sol, un pied devant, d'accord. Là simplement on va poser une main sur le genou et une main au sol. Et on va simplement ouvrir. Il faut garder l'équilibre. Notre main elle est là, elle ne sert pas à s'équilibrer. Allez, deux. Bien, et on repose. Trois. On ouvre et on redescend. On regarde la main. Quatre. Allez, ensemble, on démarre. 6, 7, et une petite dernière, et on change de côté. Boum, 8, hop, je me rattrape. On change, boum, boum. J'ouvre bien, en position de fente, un genou sur le tapis. Si ça fait mal, mettez une petite serviette, un petit coussin sous le genou. Une main ici, sur le genou, une main au sol, et on y va. On ouvre. Et on revient. C'est un exercice d'équilibre aussi, ça.
Willys. Je sais qu'il y en a un qui me surveille, c'est Laurent. Je me suis pas entraîné aujourd'hui. Alors, il faut que je fasse la séance sérieusement. Avec vous. Hop là. Super. On revient sur l'autre jambe. Hop, on ouvre ici. Et là, simplement, on va se pencher. D'accord? Donc, je suis enfant. Je lève la main. Et je me penche sur le côté. Ça doit étirer ici. Et on reste un peu. On se prépare pour la séance. Super, on est toujours plus de 30. On repose. On change de jambe. Boum. Ici, j'ouvre sur le côté. Ça va étirer toute la chaîne. Et on relâche. Restez au sol. Deuxième partie de l'échauffement. Le gainage. On va reprendre un peu les quatre pattes comme on les avait fait ici. C'est très technique et comme je l'ai dit, c'est pas mal. On va pas avancer, on va pas reculer. Le tout, ça va être de tourner sur place. C'est très difficile. Ça ressemble pas à grand chose, mais c'est très difficile. Vous êtes prêts? Je me mets en appui ici et on décale sur place. Petite rotation, on fait un tour complet. Je suis en appui sur les mains et sur les pieds. Et on décale. Voilà, on tourne. Je repose. Ça va pour tout le monde? L'autre sens. N'oubliez pas, c'est la partie gainage. Absorber le nombril. Hop, j'absorbe le nombril et je tourne sur place. Rotation. Jusqu'au bout. Ouais. Et on repose. Alors, on n'a pas l'air bête, mais vous allez voir que ça, dans les salles, les coachs et tout, ils vont l'utiliser de plus en plus. On est un peu avant-gardiste ici. Allez, c'est parti. On revient. Premier sens de rotation. Je suis sur les pointes de pied et sur les mains. De toute façon, ça ment pas. Hein. Ça chauffe de partout. Hein. Super. Finissez votre tour. Et on repart de l'autre côté. Allez, go! Jusqu'au bout. Super. Ceux qui ont un peu de difficulté, c'est envisageable de le faire sur les genoux et sur les mains. Il n'y a pas de honte, chacun à son niveau. On fait une dernière fois. Je suis là. Allez, je tourne. Premier sens. Et je pose. Ça doit bien chauffer les bras, hein, c'est normal. Et de l'autre côté. Allez, go. On y va. Jusqu'au bout. Très bien. Ouh. On en a terminé pour le gainage. D'accord? On va passer sur le cardio. Fais le tour. Mets tes chaussures, fais le tour. On enchaîne sur le cardio. Prenez un petit temps. Hydratez-vous. Salut Françoise, salut Florence, salut Patrick et Patrice. On est toujours dans l'échauffement. On va passer sur le cardio. Vous êtes prêts? Alors, le cardio, on met un petit tabata. Ça, vous savez à quoi ça sert. On va reprendre les mouvements de boxe parce qu'on a fait un petit peu de danse, on a fait un petit peu de pound. Maintenant, on cherche un petit peu autre chose. D'accord? Et on est parti pour un autre tabata aujourd'hui, toujours sur la boxe. Donc là, l'objectif, ça va être de faire monter le cardio. Vous êtes prêts? On démarre dans 10 secondes, même pas.
Allez, prêt? On augmente le son et on est parti. Je remets au début. Allez, c'est parti. Donc on commence simplement par les points, prévarer les kicks, les crochets, tout ça. Go, les points. Sur place. Là, l'objectif, c'est avoir du rythme. Allez. Encore. Allez. Pause. Crochet. Prêt? 5, 4, 3, 2, 1, go. Sur le côté ici. On tourne avec. On fait travailler les abdos. Allez, encore. Pause. Les kicks. Le tout, c'est de lever et de taper devant. D'accord? Sur le troisième round. Go. Paf. 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 Devant. Ouais. Encore. Allez, allez. Lève bien le genou et tu tapes. Go. Simple. Pause. Ok. On va reprendre des points, mais on va descendre un peu. On descend et kick ici. Punch, pardon. Boom. Je suis en squat ici, un peu plus bas et je tiens. On combine les deux, le bas et le haut. C'est plus dur, hein. Allez, je compte sur vous. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Sur le prochain, on va combiner point et pied. D'accord? Point et pied. Go! Alors, soit on y va doucement, soit on peut accélérer. À vous de voir. Encore. Allez. Pause. Il y en a encore. Là, on va faire des squats et des points. Prêt? Je fais des points, je descends, je remonte. Je descends, je remonte. Des grands, hein, des grands ici. Je descends pas des tout petits. Hein. Je remonte. Allez, encore. Allez, Hélène. Oui, bien. Stop. On reprend les crochets en montant et en descendant. Allez, on y va. Boum, 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 boum. Je remonte. Et je descends. Et je remonte. Et je descends. Et je remonte. Et je descends. Et je remonte. Encore. Descends. Et remonte. Le huitième, les punches, les kicks, encore, allez ensemble, allez les punches et les kicks, les deux, allez ça va augmenter un peu le cardio, ok, pause. Normalement, on doit être bien. On doit avoir augmenté un petit peu le cardio. On a mobilisé, on a fait un peu de gainage, on a chauffé le haut et le bas du corps. On va pouvoir attaquer le corps de la séance. Et tout à l'heure, on va refaire du cardio sur la fin de la séance. Vous allez voir, c'est un effet un peu différent. Hydratez-vous. Super. Alors, on va faire, dans le corps de la séance, trois mouvements. Le back squat. C'est-à-dire c'est un squat avec le sac à dos derrière,
Là, il va falloir charger, d'accord, le sac à dos. Vous mettez ce que vous avez sous la main. Deuxième mouvement, on garde deux bouteilles pas très loin pour faire de l'écarté. Là, on va être allongé, on va faire travailler un petit peu plutôt la poitrine, d'accord, les pecs. Et à la fin, c'est un mouvement plus cardio, c'est le down and up, où on va venir poser les mains au sol, reculer des deux pieds, revenir et finir en extension. On n'est pas obligé de sauter sur le down and up, d'accord. Vous me suivez, il n'y a pas de souci, et on va avoir à chaque fois un certain nombre de répétitions à réaliser. Faites comme moi, commencez à charger un petit peu le sac, boum, j'ai mis un petit peu d'affaires dedans, je ne l'ai pas vidé depuis que je suis rentré tout à l'heure du travail. Je laisse tout dedans, on remet un petit coup de musique. On met le sac sur le dos, voilà, et on est prêt pour le premier mouvement. On n'est pas obligé de tout fermer, hein. Simplement le sac sur le dos, ça va vite. Maintenant qu'on l'a chargé, on peut démarrer le corps de séance. J'espère que vous êtes tous prêts. On démarre dans 5 secondes. 4, salut Geoffrey. 5. Prêt, prête, allez go. 10 back squats. Donc on descend. On a le sac à dos sur le dos. On absorbe bien le nombril surtout. C'est un petit peu plus lourd que des bouteilles classiques. On fait travailler les cuisses et les fessiers. On a 10 à faire. Jusque là, ça va. On souffle bien. Encore 2. 1. 2. Si j'ai un peu mal au genou, je descends un peu moins. D'accord ? Deuxième mouvement. On a 20 répétitions à faire. On prend deux bouteilles. On s'allonge sur son tapis. On écarte les bras. Et on va venir serrer au milieu. D'accord ? Ça, c'est pour faire travailler la poitrine. Vous êtes prêts ? On en a 20 à faire. Allez, go ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Top! Le dernier mouvement, on n'a rien besoin sur le dernier mouvement, c'est le down and up que j'ai fait voir tout à l'heure. On en a 30 à faire, on peut faire des petites pauses, hein, d'accord? Alors si c'est un peu difficile de mettre les mains au sol, on fait la même chose sur le divan, on fait la même chose sur une chaise. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1. 2. Je peux faire aussi une jambe à la fois. Boum, boum. Boum, boum. 3. 4. Allez. 5. Adapté. Soit sur le fauteuil, soit sur le sol, les deux jambes en même temps, ou simplement un pied à la fois. C'est plus facile un pied à la fois, c'est plus facile sur le divan. Allez, là, ça monte un peu le cardio. Hein. Ouais, très bien, encore. Et 10. On en a encore 20 à faire, accrochez-vous. Hein. Ah, dommage. En replay aussi pour toi, Nathalie. Allez, encore. On n'a pas fini. Coup, coup, coup. Down et 9. On descend, on remonte. Je suis à 15. Suivez le rythme. Adapté. Sur la chaise ou pas. C'est dur, hein. C'est le mouvement le plus dur, en même temps ça fait appel un peu au gainage. Il m'en reste 10. Allez, on continue.
Encore 5. 5 à faire. Allez. Les accouplements sont beaucoup plus faciles. Ça, ça fait travailler un peu le cardio. On brûle des calories. Moi j'ai fini, mais vous prenez le temps de finir. Allez jusqu'au bout. On vient de terminer le premier bloc. Faire le 3 sur la chaise. Je te fais voir. Je suis ici. Je viens de me mettre. Je repousse les pieds. Je remonte les pieds. Je me redresse. D'accord ? Tu peux le faire sur le canapé. Plus la chaise est basse, plus c'est difficile. Plus ça ressemble un peu à ce qu'on vient de faire. Donc tu te mets face au canapé, tu poses tes mains, tu éloignes les pieds, tu les regroupes, tu te relèves. Ok ? Regarde, sur le divan, c'est facile. Ok, je suis là, je mets mes mains sur le canapé, j'éloigne les pieds, je reviens, je me redresse. Très simple à faire sur le canapé. C'est comme au sol. Allez, deuxième round, on repart sur les down and up, mais cette fois-ci on n'en a que 10 à faire. D'accord ? Un peu moins. Vous êtes prêts? C'est parti. Go. 1. Et on finit par claquer. 2. Ouais. 3. 4. Encore. 5. Allez, les 5 dernières, je vais faire avec vous sur le fauteuil. Je suis ici. 6. 7, 8, j'absorbe bien le nombril. 9 et 10. J'espère que Jen t'a vu, hein, Soline aussi. Allez, on continue. On récupère le sac. Hop. Vous êtes prêts pour la suite? Back squat. On monte. Tout à l'heure, on en a fait 10. Cette fois, c'est 20. Allez, bien les pieds écartés. Go. 2. 3. 4. 5. On regarde en face, on regarde en face. 9. 10. 11. 12. 14. 15. Encore. 16. 17. 18. 19. Et 20. Il nous reste les écartés. Buvez et on continue le deuxième bloc. Au sol, on est parti. Hop. On en a 30 à faire. On en a fait 20 tout à l'heure, un peu plus ici. Je suis bien au sol, bras écartés, c'est parti. 1, 2, on fait travailler la poitrine, les pecs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. En rythme. Encore 10. Allez, 30. Deuxième bloc, soufflez un peu, hydratez-vous. Salut Colette. On est dans le corps de la séance, Colette.
on compte sur toi pour rattraper. Il nous reste un gros bloc de renforcement. Dès que vous êtes hydraté, on repart au sol pour seulement 10 écartés. Puis après, on fait 20 down and up et on finit par 40 back squats. Allez, courage Fatima, souffle bien. Quand tu t'es hydraté, on repart au sol avec les bouteilles ou avec les haltères, hein, si vous avez des haltères chez vous. Pas trop lourd hein, sur ce mouvement. Je suis au sol. Allez, on est parti pour 10. On est dans le troisième bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ouais, top. On laisse les bouteilles sur le côté. On se relève. Salut Sandrine. Et on se prépare pour le down and up. Au choix, au sol ou sur le divan. Jambes en même temps ou jambes alternées. Go, 20. Et on finit en haut, c'est important. 2. 3. 4. 2. Ça devient dur, c'est normal. Hein. C'est le dernier bloc de renfo. Et après, on a une petite surprise. Encore 2 pour arriver à 10. Petite pause et on en a encore 10 à faire. Allez, on repart. Ici, on fait bouger tout le corps. Donc, on a beaucoup d'énergie qui sont consommées. C'est top. Les 5 dernières. Allez, courage. Encore 2. Allez. C'est pas terminé. Il nous reste les back squats. On attrape le sac à dos, l'accessoire de la soirée. Allez, prêt. On est parti pour 30. Largeur de bassin, on pousse bien les fesses en arrière. Bien chaud. Allez, go Karine. On va mettre les mains devant. Si ça peut aider. Petite flexion si on mérite pas. Grande flexion si c'est possible. On garde le pied au sol. Celui-là, ça va être dur sur la fin. Encore 15. Allez, on s'arrête pas. On adapte. On descend moins. Si on a trop mal, si ça devient dur. 10. Encore 3. Prenez le temps de finir chez vous. Prenez le temps de faire les quelques dernières reps. Pour ceux qui ont terminé, on s'hydrate. On
n'a pas terminé. On a fini le gros bloc de renforcement, mais il y a un petit finisher pour faire travailler l'intérieur de la jambe. Puisque vous nous l'avez demandé, on travaille comme ça. Très simple. Carole, c'est pour toi, Hélène aussi. Donc je viens me mettre ici, d'accord, au sol, sur le côté. Je suis sur le côté, je peux avoir la jambe ici à l'arrière et elle peut être pliée, je suis en appui dessus. D'accord, pas devant, mais derrière. Et là, on fait remonter ici pour solliciter le muscle qui est à l'intérieur de la jambe. Allez, 15, 1, et on repose, 2, jambe bien tendue, 3, 4, on n'arrive pas à faire un grand mouvement, c'est normal, 5, 6, si on sent ici, on sent que ça se contracte à l'intérieur de la cuisse. Encore 5, 1, 2, bien sur le côté, 3, 4 et 5. On passe de l'autre côté. Paume. Moi je fais demi-tour pour vous. Donc je suis allongé, la jambe bien sur le côté. Je peux même être en appui sur mes mains. La jambe derrière et on lève. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas habituel celui-là. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15. On sent bien ici que ça chauffe, que ça se contracte. Deuxième série, on reprend le premier côté. Allez, tous ensemble la team, c'est le finisher. C'est pour peaufiner, pour travailler ici un petit peu, renforcer un peu l'intérieur de la jambe. Oh, ça fait du bien, il y a longtemps qu'on n'a pas fait le travail, ça. 2. C'est une partie qu'on oublie souvent. 3. Ah, on sent bien. Dans la deuxième série, ça pique. Et on continue normalement un peu à suer, à dépenser. On se tourne. Beau. Ouais. Les deux côtés. Allez, beau. Encore une. Il nous reste la troisième série de chaque côté. Allez, on reprend une troisième. On se remet du premier côté. Allez, on se renforce l'intérieur de la jambe. On s'arrête pas là, on y va. 1. 3 encore. Et si on le fait bien, on travaille bien l'intérieur de la jambe. On se retourne. Dernière fois ici de ce côté-là. Et après, on passe à la fin de séance, à la récupération. Se relever un peu pour pouvoir s'hydrater, pas pouvoir faire autant de down and up. Ça c'est super Fanny. On s'hydrate et on passe sur la fin de séance, la récupération. Aujourd'hui on va faire des étirements, oui, mais pas que.
On va se refaire un petit peu de cardio parce que ça permet aussi de récupérer le cardio. On va se récupérer un peu du renforcement. Alors, on se refait un petit tabata et des étirements. Et ouais, c'est pas fini, vous pensiez que hein ? Et non. Prêt tout le monde ? Je vais lancer la musique et on va démarrer. On va reprendre les petits mouvements de boxe qu'on a fait au tout début sur un tabata pour se finir. Je choisis un petit peu ce qu'on peut mettre ici. Vous êtes prêts? Vous avez récupéré? Allez. On est prêt. On reprend pour les punchs. Allez, on trottine. Go, go, go. Allez, on y va. On envoie les bras. Et on peut trottiner sur place. On est chaud là, on peut y aller. Allez, c'est la fin. Box. On va faire montée de genoux et punch, toujours. C'est la fin, on dépense encore un peu de calories là-dessus. Allez, on monte les genoux et on fait des punchs, d'accord? Alors, si j'arrive à le faire en trottinant, c'est mieux. Lève bien les genoux. Le suivant, talon-fesse et punch. On s'accroche, on est plus de 30, toujours c'est top. Sois tranquille, sois si on y arrive. Un peu plus rapide. Suivant, squat et punch. On peut descendre très bas. Sinon on va plus vite. Encore 4 rounds. Avant les étirements, on trottine, punch en trottinant. Allez, go! Allez, ramène bien les doigts et on punch. Lâche-toi un peu la boule. Vas-y, toute l'énergie, la frustration, là, on la sort. Montez de genoux. Punch. On a les 3 derniers. On lâche l'énergie là. On y va. Allez, lève bien. Sors tout le négatif. On se défoule. Encore 2. Les talons fesses punch. Vas-y, n'hésite pas. Toute la frustration, on y va, c'est maintenant dans les poings là. Boum boum. Oui, allez la team. Encore, encore. Dernier round. Squat et punch. On lâche tout là. C'est les 20 dernières secondes. Allez, on lâche. Ah, ça fait travailler les bras aussi. Encore. Pause. Allez, on a tout lâché là sur le cardio. On a évacué, ça fait du bien, c'est parce que ça permet d'évacuer aussi le négatif. Il nous reste tranquillement à faire les étirements debout. Allez, soufflez un peu.
hydratez-vous et on part sur les étirements. Allez, je rebalance une petite musique pour les étirements. Et on se prépare. Super Nathalie, je vois que ça t'a plu, ça me fait plaisir. On n'oublie pas les étirements. Allez, on part sur le quadriceps. Donc on se tient ici. On a déjà vu l'option de le faire au sol. D'accord ? Allez. On absorbe bien le nombril et on souffle. Si c'est dur de garder l'équilibre, on le fait contre un mur. On change de jambe, l'autre jambe. Merci Guillaume. Allez. Superbe musique. Bah, ça c'est la DJ. Dès que je choisis pas, c'est moins bon. Très bien, on relâche. On va ouvrir ici, puisqu'on a fait travailler un petit peu l'arrière de l'intérieur de la jambe. On va ouvrir, on plie et on doit ressentir tout de suite un petit étirement ici à l'intérieur. On peut même lever les mains. Et on relâche. On passe de l'autre côté. Je plie, la jambe est tendue. Je dois ressentir un étirement et je pousse vers le haut. On resserre un petit peu les pieds. On garde la jambe tendue et on va vers le sol. Bien tendu, ça doit bien étirer sur la chaîne postérieure. Et on déroule tout doucement. Et on va monter ici sur la pointe des pieds, tirer vers le haut. Très très grand. On relâche, on n'oublie pas les pecs sur la table, sur le mur, je mets et je tourne. Je regarde à l'opposé et je viens tirer ici à l'intérieur. Et de l'autre côté, super. Et ben bravo la team. Bravo à vous. 55 ans et toujours en forme. Bravo à Karine. Bravo à Vivi. Bravo à vous tous de nous avoir encore suivis. On était encore plus de 30 ce soir. Et ça, ça fait plaisir. On a plein de choses à vous dire ce soir, mais si vous voulez me poser des questions, on reste là pendant 5 minutes pour pouvoir faire un petit point. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez liké, likez la page, partagez-la pour que ça puisse un peu profiter à tout le monde. Merci Anne-Sophie pour tes encouragements. Merci Fanny. À la douche maintenant. Alors il y a des infos à pas oublier avant de se déconnecter. Première info, demain rendez-vous 10h30 en live avec ma collègue Carole qui est
diététicienne et qui va répondre à plein de questions sur ce qu'on se pose nous, alimentation et activité physique. Donc ça, c'est le rendez-vous de demain matin. On a d'autres rendez-vous cette semaine, jeudi, vendredi. Et la semaine prochaine, on s'accroche bien, la semaine prochaine, on reprend. C'est le déconfinement pour nous aussi, d'accord? Donc on va rester en contact sur le Facebook, on va continuer à vous faire des lives, bien sûr sur le Facebook, mais on reprend aussi notre activité de coaching à l'hôpital privé de la Louvière. Pas en intérieur, mais en extérieur, parce qu'on a la chance, nous, d'avoir un beau petit parc au sein de la Louvière. Et donc, à partir de la semaine prochaine, on réattaque, ça y est, coaching en présentiel, pilates en présentiel, directement dans le parc, quand il fera beau, ce sera super. Donc, on compte sur vous. On vous informe, on vous donnera tous les petits détails jeudi, très probablement, jeudi ou vendredi. Donc, semaine prochaine, live, mais aussi, surtout, on reprend le coaching à la Louvière. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, je regarde un peu vos commentaires. Sympa l'exo, le sac à dos, ça réhabitue les filles pour la rentrée. Eh oui, c'est vrai que ça peut être utile. Merci pour vos encouragements. Demain, voilà, 10h30. Toujours une option pour les mouvements. Bah tiens, je suis accompagné par mon chasseur d'oiseaux du début de séance. Il est là. Comment je vais faire sans vous? Mais on continue à être là, Vivi. On continue à faire les lives. Même pendant le déconfinement, on ne vous abandonne pas, on fera des lives. On vous donnera tout le planning. Après le confinement, mais bien sûr, là on est dans le déconfinement. Donc on va faire et des lives. Et on va reprendre l'activité en présentiel. On va continuer les lives. Voilà, je vous remercie encore pour tous vos encouragements. Je vois tous les pouces, les cœurs passer et tout. Je remercie encore la DJette. Et puis on vous dit au revoir. Il est là. Allez, à demain matin.